Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 18. Verset 1 à 18. Jusqu'au verset 5. Genèse 18, 1 jusqu'au verset 5. Genèse Mokapazo, Bina Mwambe, Teni Aliboso, Kino Naiteni Amitano. Allons-y. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à table pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se posterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ok, chapitre 19. Mon kapoya zominalibwa. Verset 1 et le verset 2. Eteni aliboso na eteni yami bale. Verset 3. 1 jusqu'au verset 3. Allons-y. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se posterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Exode chapitre 30. Esau de Mokapo Yatugumisatu. Verset 17 au verset 21. Eteni Azomina Sambo, Kinon Eteni Tukumi Balina Moko. Exode 30. Esau de Mokapo Yatugumisatu. Verset 17 au verset 21. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et le pied. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir le sacrifice à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Allons, terminons avec Jean, chapitre 13. Tosi lisa na mukanda ya Yohani, mokapo ya zom na misatu. Verset 1. Eteni ya liboso. Jusqu'au verset 17. Kino na eteni ya zom na sambo. Jean, chapitre 13, verset 1. Yohani, mokapo ya zom na misatu, eteni ya liboso. Avant la fête de Pâques,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Merci, vous pouvez vous asseoir. Matondi Bokoki Kuvanda. Nous voulons ce soir terminer où les services avec le lavage de pieds. Tolinge na poko na lelo kosilisa elambo na biso na bosukoli makaka. Mais demain, j'aimerais avoir une réunion de prière. Lobe na kolinga ete toko na kozala na liangani ya mabondeli. Pour nous abandonner un traitement semain pour les jours et les années à venir. Poete tuko komitika na maboko maye mikolo pe mibumie mizali koyana sima. C'est comme si c'était une nouvelle année. Ezali komona na lokola ezali mobumu asika na yebite. Mais juste pour terminer cette série des réunions spéciales. Nous abandonner entre les mains du Seigneur. Comme le Seigneur l'a fait après le pain. Ils ont chanté. Ils ont prié. Et après, c'était les jours des épreuves qui sont venus. Mais c'était la victoire. Nous voulons que Dieu nous donne de grandes victoires les jours et les années à venir. Pensez avoir une veillée, mais je ne sais pas si jusque-là ils ont autorisé, ça demande beaucoup de documents. Mais on l'aura, peut-être que les autres jours. Demain,
Lobby. Troisième jour, beaucoup de prières, beaucoup de consécrations. Ma bonde limingi, komi kabamingi. Si vous avez quelque chose, vous pouvez mettre ça sur le papier. Soki ozena likambo moko okoti ango na lokasa. Un sujet de prière spécial. Likambo moko. Dans votre prière, dans votre papier. Olingi obonde la yango. Vous allez na yango. Amener. Okoti ango na lokasa. Donc aujourd'hui c'est le lavage des pieds. Naboye lelo ezali bosukoli ya makaka. Vous pouvez voir que c'est un service extrêmement important. Bokoko mona ete ezali mosala moko ya motu ya mingi penza. Parfois les gens trouvent que la communion c'est il n'y a que ça qui est important. Et négliger le lavage des pieds. Ils disent, bon, j'ai déjà pris la communion, c'est fini, c'est ce qui est important. Mais c'est une erreur très grave. Très, très grave. Le pain et le vin n'auront sa signification qu'avec le lavage des pieds. Lipa na vino ekozwandimbola na yango bobele na bosukoli makaka. C'est pourquoi c'est très très important. Yango wana ezali na mutu ya mingi mingi penza. Et nous voulons en parler quelques minutes. Tolengi kolobela yango mwa ndambo na minuti. Ici, nous pouvons voir déjà dans l'Ancien Testament. Combien le lavage des pieds, c'était déjà très très important, déjà dans l'Ancien Testament avec Abraham. Et donc nous voyons Abraham à la fin. La dernière fois que Dieu va se révéler à lui, il est venu dans la chair humaine. C'était pour confirmer ses bénédictions, sa promesse. Ils sont venus à trois avec deux anges et Elohim était là. Et Abraham a eu la révélation que c'était Dieu lui-même parce qu'il venait de changer son nom au chapitre 17. Son nom était Abraham, maintenant c'était Abraham. Et personne d'autre ne le savait. Et il n'y avait que Dieu qui avait changé son nom. Mais voilà qu'Abraham va voir trois personnes. Et ils vont appeler Abraham. Et quand il a vu, tango, il a entendu, ayoki, il a eu la révélation que ça c'est Dieu lui-même. Et que Dieu venait lui rendre visite. Et c'était la deuxième fois que Dieu venait dans la chair. La première fois comme Abraham, comme Melchisedec. Et maintenant, la deuxième fois,
dans la chair humaine. Et quand Abraham vit, il courut devant eux. Il se prosterna. Et il dit, Elohim, Alobi, Elohim, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Kolo, so na zwingolo, na miso na yo, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Kolekate, na sengi na yo, musika na musali na yo. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi, vous continuerez votre voyage. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Lavez les pieds. C'était pour montrer l'accueil, l'hospitalité. C'était pour montrer l'humilité. C'était pour montrer le respect. Le respect vis-à-vis de la personne qu'on est en train de recevoir. Et c'était très très important. Vous voyez que c'était la première chose qu'Abraham a demandé. Ne passe pas, entre. Je vais prendre un peu de l'eau, vous lavez. Pour que vous puissiez un peu vous rafraîchir. Vous avez fait un long voyage. Vos pieds sont devenus sales. Vous êtes un peu fatigué. Vous rafraîchir. Mangez un peu. Et puis après, vous pouvez continuer votre voyage. Marque d'hospitalité. D'accueil. De respect. D'humilité, c'était ça le lavage des pieds. Nous pouvons voir Lot la même chose. Quand les deux anges sont arrivés chez lui, c'était le même accueil. C'était le même respect. Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et vous vous leverez le matin et vous allez poursuivre votre route. C'était très très important. C'est pour cela Jésus. Quand les pharisiens l'avaient invité, et qu'il l'a abandonné là-bas, c'était un signe de mépris. C'était un signe d'orgueil. Un signe de se moquer de quelqu'un. Vous invitez quelqu'un, vous ne le recevez pas correctement. Vous ne le respectez pas. Vous méprisez la personne. Alors que cette autre femme, quand elle est venue, elle a trouvé Jésus. Elle est allée avec le parfum, avec ses larmes, avec ses yeux. Avec ses larmes, ses cheveux, pour nettoyer, essuyer les pieds de Jésus, pour montrer son respect, pour montrer qu'elle a reçu Jésus. C'est pour cela que cette femme a été très très bénie. Et elle avait reçu aussi le pardon de ses péchés. Donc c'était un signe extrêmement important.
Et voilà que dans les services de Dieu, quand les sacrificateurs étaient en fonction, ils entraient en fonction pour le travail, le lavage des pieds avait une place. Vous allez voir que la première chose que quand les sacrificateurs entraient en fonction, c'était on les lavait complètement. C'était, je crois, dans Exode, ça doit être Exode chapitre 29. Et puis après, on devait les oindre. Hein, on devait les laver. Tous les corps. Et puis on leur donnait de nouveaux vêtements. Ça, c'est à l'entrée, quand ils commencent le travail. On les lavait entièrement. Comme aussi avec les visiteurs. Quand les visiteurs quittaient sa maison, certainement qu'ils se lavaient. Ils prenaient, portaient des habits. Ils se mettaient dans le voyage. Et quand il arrive chez Abraham, Abraham ne lui a pas dit bon. Entre dans la maison, tu Abraham vas aller te faire une douche. Ce n'était pas ça. Lave simplement tes pieds. Mange un peu. Et puis tu peux partir. Chez l'autre, la même chose. Il n'a pas dit bon, mettez-vous là-bas, vous allez vous laver tous les corps. Parce que c'est laver tous les corps, ils l'ont déjà fait. Mais maintenant, comme ils étaient dans le voyage. Alors, c'est pour cela que vous pouvez comprendre Abraham qui dit, vous allez vous laver les pieds, on va vous laver les pieds, et puis après, vous allez continuer votre voyage. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, lavez les pieds. Et puis après, vous continuerez votre route. L'autre a dit aussi la même chose. Vous allez vous laver les pieds et le matin vous poursuivrez votre route. La même chose ici nous voyons avec les sacrificateurs. Quand ils sont entrés en fonction, ils ont été lavés. Un lavage complet pour l'entrée au travail. Mais pendant le service, la Bible dit que Moïse devait placer une cuve d'airain pour les ablutions, c'est-à-dire les lavages. Tu la placeras entre la tente d'assignation et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi longtemps qu'ils s'approcheront de l'autel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Ils devaient se laver les mains et se laver les pieds. On ne devrait plus encore les laver entièrement.
Bien sûr que naturellement, hein, à la maison, il pouvait le faire. Mais, c'est lavage-là entier au commencement, c'était comme une cérémonie. C'était une cérémonie pour leur entrée en fonction comme sacrificateur. On leur donnait des nouveaux habits et puis on pouvait les oindre pour leur entrer en fonction. Mais maintenant, pendant qu'ils sont en fonction, chaque fois qu'ils devaient entrer au temple, hein, ils devaient se laver les mains hein, et se laver les pieds pour faire le service. Ça, c'était pour leur propre purification. Donc, c'est pour montrer que c'était très, très important. S'ils ne le font pas, ils peuvent mourir. Aussi. Donc, ils devaient se laver, se purifier chaque jour. Chaque jour, pendant qu'ils sont en train de faire leur travail. Alors c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, nous voyons ici notre Seigneur Jésus. C'était à la fin. Comme pour Abraham, c'était à la fin. La dernière fois qu'il vient se révéler. Et ici, Jésus-Christ, avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, hein, il les aima jusqu'à la fin. Il mit les combles à son amour. Donc, il voulait leur montrer son plus grand amour. Il voulait leur montrer pourquoi il est venu. Au travers d'un symbole. Et qu'il a recommandé qu'il faut que vous aussi vous puissiez le faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour montrer son amour? Pour combler, pour montrer que je vous aime beaucoup. Pour leur montrer que moi aussi je vous ai accueilli. Moi aussi je vous ai reçu. Comme Abraham recevait son visiteur. Une personne respectueuse pour nous montrer son amour, son respect même envers nous. Parce que ce travail généralement était fait par des domestiques. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui doit faire un si grand travail. Il doit montrer que moi je suis devenu votre serviteur. Pour nous montrer que moi-même je me suis humilié. Pour vous servir. Pour vous accueillir. Pour vous recevoir. Alors pendant les soupers, les soupers de la communion, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, c'était une période assez ténébreuse. Pendant que lui, il faisait dehors là-bas, il y avait des plans terribles du diable.
pour tuer, pour livrer, pour faire beaucoup de mal. Mais à l'intérieur, il voulait combler. Il voulait montrer que je vous ai reçu. Alors Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, qu'il était Dieu, il est devenu un homme et il est retourné encore pour être Dieu. Il s'éleva de table, il ôta ses vêtements. Ôta ses vêtements. Il y prit un linge. Et donc il s'est saigné. Il alla quelque part. Il enleva tous les autres habits. Il resta avec des habits comme un petit serviteur. Et puis il a pris un linge. Il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Il s'est mis à laver les pieds des disciples. Avec le linge dont il était sain. Quel amour! Quelle scène! Là-bas, c'était Abraham qui lavait les pieds d'Elohim. Et voilà maintenant, c'est Elohim qui vient, qui s'humilie pour laver les pieds. Parce que nous aussi, nous sommes des pèlerins. Sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Alors Jésus va s'humilier. Il va descendre pour montrer qu'il nous aime. Pour nous montrer qu'il nous a reçus. Il vint donc vers Simon. Et ça, c'était pour encore montrer ce que nous avions lu hier. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 5, la Bible qui dit, d'abord, au verset 3, avant que Paul n'entre là-bas, Paul il va dire, Paul a relevé boye, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Quelle humilité! Ne faites rien par orgueil, par esprit de parti, ou juste pour vaine gloire, c'est-à-dire par orgueil, pour s'attirer de l'honneur. Mais faites tout dans l'humilité. Et que cette humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. C'est ce qu'Abraham a vu à Elohim. C'est comme si c'est ici, c'est Jésus qui regarde ses disciples comme étant au-dessus. Il nous voit comme des sujets de très grande valeur. De grande importance. Et pour qui il pouvait tellement s'humilier comme ça pour nous rendre un service. Regardez les autres comme étant au-dessus.
Ne pas regarder les autres comme étant en bas. Et zalite kotala basusu lokola bazali na se. Pour les mépriser. Pona kotiola bango. Pour les humilier. Poete oyogisa bango soni. Mais que dans vos rapports. Merci. Vous ayez du respect les uns envers les autres. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Dans tout ce que vous faites, ne soyez pas tellement égoïste et indifférent. Pour que dans tout ce que vous faites, vous ne voyez que d'abord ton intérêt à toi. Parce que c'est l'amour. Zambi, ezali bolingo. L'amour. Bolingo. Ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour cherche d'abord l'intérêt de l'autre. L'amour ne cherche pas d'abord sa propre satisfaction. ACP là. Non, tu cherches d'abord la satisfaction de l'autre. Tu cherches d'abord l'intérêt de l'autre. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, vous voulez faire une chose. Tu regardes d'abord qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça. Tu cherches d'abord. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Tu veux toujours avoir plus. Tu ne cherches même pas peut-être à dire, bon, nous voulons gagner la même chose. Ou peut-être que mon frère gagne d'abord. Non, toi tu cherches par tous les moyens de gagner. Et tu es capable d'utiliser des moyens malhonnêtes. Tu peux utiliser la fraude. Parce que simplement toi tu veux gagner plus. Vous pouvez regarder Abraham quand ils ont eu des problèmes. Avec Lot. Quand ils ont eu des problèmes. Abraham a cherché la paix. Et pour trouver la paix, il a dit d'abord à Lot. Mon frère, nous sommes une famille. Nous ne voulons pas ici entrer dans des querelles. Nous voulons vivre en paix. Alors, voilà, le pays est très vaste. Pour vivre en paix, toi d'abord, cherche, regarde là où tu veux aller. Le terrain est très vaste. Et après, quand tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Toi d'abord. Vous me suivez? Jacques, tu me suis, tu es en train de dormir. Il a voulu d'abord que l'autre fasse d'abord son choix. Pour qu'il ne dise pas après. Regarde Abraham. Il est égoïste. Il a choisi le meilleur endroit. Il a choisi la bonne place. Maintenant, il m'a laissé moi choisir l'endroit le plus mauvais. Cherchez d'abord les intérêts de l'autre. Et l'autre lui-même a choisi pour qu'il soit responsable de son choix. Et là où il a choisi,
En regardant, il a pensé que c'était bon. Mais il ne savait pas ce qui se cachait derrière. C'était Sodome et Gomorre. Et il est allé là-bas. Et premièrement, quand il arrive, après on va le prendre. Et il va aller être prisonnier quelque part. Mais Abraham, malgré cela, pour l'intérêt aussi de son frère, il ne l'a pas laissé. Il est allé à son secours. Il est allé l'aider. Et il l'a racheté, il l'a ramené. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous me suivez? Le jour où on aura ça, la divinité est en nous. L'intérêt d'abord de l'autre. Et Paul maintenant va nous montrer combien notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments, l'amour, Bolingo, qui était en Jésus-Christ. Regardons un peu les sentiments qui étaient en lui. Voyons un peu la vision qui était en lui. Lui qui était Dieu, il n'a point regardé cette divinité comme quelque chose pour se disputer avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà qu'il était Dieu. Tala ete ya zalaki nzambe. Lui n'avait rien fait de mal. Mais pour notre intérêt, Dieu n'a pas regardé ses propres intérêts. Il n'a pas regardé, mais moi je suis Dieu. Les anges doivent m'adorer. Je dois être au-dessus. Je dois être supérieur. L'homme doit m'adorer. L'homme doit me servir. Ça, c'est moi. Dieu. Je ne peux pas m'abaisser. Mais le sentiment qui était en Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour, il n'a pas considéré ses propres intérêts. Il n'a pas considéré sa gloire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme, une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et c'est ce que Jésus a fait pendant le lavage des pieds. Il était bien habillé. On ne sait pas comment ces jours-là il était très bien habillé. On ne sait pas comment, mais c'était quand même assez spécial ces jours-là. Il a commencé à leur parler. Je vous aime beaucoup. Voilà, il a commencé à les exhorter. Et voilà, et puis il entre là-bas. Il enlève cet habit spécial qu'il avait ce jour-là. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Peut-être il est allé prendre un petit habit comme les serviteurs s'habillaient en ce temps-là. Il a pris un linge et il s'est mis assis.
pour devenir un serviteur. Et voilà qu'il s'avance devant Pierre pour laver les pieds de Pierre. Là-bas, c'est Abraham qui a lavé les pieds d'Elohim. Mais ici, c'est Elohim dans la forme humaine qui descend pour laver les pieds d'un fils d'Abraham. Il prend la forme des serviteurs pour montrer, c'est comme si notre salut à nous, notre rédemption avait une très grande valeur. Lui n'a pas péché, mais le voilà, il laisse sa divinité. Il abandonne les anges. Il laisse toute cette gloire au ciel. Et toutes les louanges qu'on pouvait lui donner. Il descend sur terre pour nous servir. C'est quelque chose de très grand. Et c'est pour cela que quand Pierre a vu ça, il pouvait dire, mais non. La Bible continue dans Philippiens. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Pour servir. Pour rendre service à ceux-là qui étaient plus bas. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Et ici, c'est pour cela que quand il s'est abaissé, notre salut était très important. Notre délivrance avait beaucoup d'importance. Et il voulait montrer qu'il nous a accueillis. Il voulait montrer qu'il nous a reçus. Et il voulait nous montrer qu'il veut marcher avec nous. Et que maintenant, après son voyage terrestre, il va continuer à marcher avec nous. Il vient vers Simon. Et Simon lui dit, Seigneur, toi qui me laves les pieds. Toi le Seigneur. Qui me lave les pieds. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Tu ne comprends pas. Je sais, je comprends ce que tu es en train de faire. Mais tu le comprendras. Pierre lui dit non. Jamais toi tu me laveras les pieds. Moi je ne peux pas accepter que tu t'abaisses comme ça. C'est moi plutôt qui dois te laver les pieds. Jésus lui répondait, alors Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup qui négligent cette partie.
beaucoup oublient, négligent la révélation de cette partie. La compréhension de cette partie. Et Jésus a dit, si je ne le fais pas, tu n'auras point de part avec moi. Pierre répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pour nous dire tous les corps. Jésus lui dit que c'est lui qui est déjà baigné, qui s'est déjà baigné, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Mais je sais que vous êtes purs, mais non pas tous. Vous êtes déjà lavés. Vous avez déjà lavé votre corps. Vous avez déjà été baptisé. Le baptême d'eau, vous l'avez déjà reçu. Pour entrer dans le service. Mais maintenant, vous n'avez besoin que, comme maintenant c'est un voyage, ce n'est que vous lavez les pieds de temps en temps. Après qu'il eut lavé les pieds, qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table. Et pour leur dire, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur. Vous dites bien. Car je le suis. Mais écoutez. Si donc moi je vous ai lavé les pieds. Moi le Seigneur est le maître. Hein? Moi je me suis abaissé. Moi, je vous ai honoré. Moi, je vous ai respecté. Moi, je me suis humilié. Moi, qui est le Seigneur. Moi, le Maître. C'est moi qui devrais vous demander, allez, venez me laver. Mais c'est moi qui me suis humilié. Je suis descendu pour vous sauver. Pour vous montrer que je vous aime. Je n'ai pas regardé à mes intérêts. Je n'ai pas regardé la gloire des anges. Mais je me suis abaissé. Je suis devenu un homme pour vous sauver. Alors, si vous comprenez ce que moi je vous ai fait, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez aussi comprendre toute la signification de ce que moi je fais. Que vous aussi entre vous, vous ayez les mêmes sentiments. Vous ayez la même vision. Vous lavez les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est le maître qui est plus grand. Mais moi, qui est plus grand. Moi, je me suis abaissé. Moi, je me suis humilié. Moi, je vous ai reçu. Moi, je vous ai embrassé. Je vous ai reçu en moi. Je vous ai parfumé. C'est
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Pas juste la forme. Si vous savez ces choses, si vous comprenez ces choses, vous êtes vraiment heureux. Et si vous mettez en pratique cette révélation-là, si vous apprenez à vous humilier, si vous apprenez à obéir, parce que pourquoi Jésus est descendu, hein, ce n'est pas pour faire la scène ici, c'est pour obéir aux lois de Dieu, parce qu'il était notre parent rédempteur, il était l'agneau de Dieu, il fallait qu'il y ait un agneau. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre notre place. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mourir. C'était la loi. C'était Dieu qui obligeait ça. Et Dieu voyant qu'un ange ne pouvait pas le faire, Dieu a obéi à ses propres lois. Il s'est humilié devant sa propre parole. Il a obéi à sa propre parole. Et cet amour l'a obligé de descendre. Il a obéi à sa propre parole. Il s'est humilié devant sa propre parole pour s'humilier devant l'homme. Si moi Dieu j'ai fait ça, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et si vous comprenez ce que vous faites, vous êtes heureux si vous mettez cela en pratique. Si vous essayez de vivre ça, obéir, s'humilier devant vos frères, vous allez maintenant vous mettre là pour laver les pieds de votre frère. Hein, tu vas t'agenouiller un peu pour laver les pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux faire ça, mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Parce que quand Pierre a résisté, c'est pas, on le faisait. C'était une pratique qu'on le faisait. Mais Jésus dit, ce que je fais, la révélation de ce que je fais, tu ne comprends pas. Mais tu comprendras ça bientôt. Quand tu auras le Saint-Esprit, quand je vais vous quitter, vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez comprendre de la signification de ce que je suis en train de faire. Comprendre ce qu'on est en train de faire. Tu vas te mettre là pour laver les pieds de votre frère. Ça signifie quoi? C'est juste une cérémonie. Tu vas laver ses pieds. L'endroit le plus sale. Tu vas laver ses pieds. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus était descendu pour pardonner nos péchés, pour effacer nos transgressions, pour être à notre service, pour mourir. Il a mis des côté ses propres intérêts.
pour placer nos intérêts. Mon intérêt, qu'est-ce que moi je voulais? Je voulais que quelqu'un puisse mourir à ma place. Je cherchais quelqu'un qui doit ôter mes péchés. Et il y a eu quelqu'un pour satisfaire à ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, moi j'ai fait ça. Moi qui est le Seigneur, je fais ça. Vous aussi, vous devez le faire les uns envers les autres. Vous devez apprendre à vous humilier. Ne pas être trop orgueilleux. Pour qu'en tout, tu mets d'abord ton intérêt. Moi. Tu ne regardes pas d'abord l'intérêt de l'autre. Donc, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, remarquez, Jésus nous a montré un exemple de la manière dont il faut le faire. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre. Comment vaincre? Jésus nous a appris comment le faire. Dans l'humilité. L'humilité. Avoir des sentiments d'abaissement devant quelqu'un d'autre. Ne pas avoir le sens de l'orgueil. Moi je suis au-dessus. Moi je. Comme l'esprit de Laodicée. Dans l'humilité. Il s'est saint. Ami Kanga qui est là-bas. Il a pris une serviette. Il a lavé et essuyé les pieds des disciples. Les dieux du ciel lui-même s'humiliant. Comment vaincre? Comment monter? C'est ce que Jésus a fait. Il nous a montré comment le faire. Saint 1, il dit, nous ne voulons pas nous humilier. Nous n'aimons pas. C'est la raison pour laquelle les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. Pourquoi Jésus s'est humilié? Parce que la parole réclamait un agneau, un sacrifice, un parent rédempteur. Un sauveur. Parce que nous sommes tombés dans le péché. Comme Adam. Quand ils sont tombés dans le péché, ils ont commencé, ils ont cherché des feuilles de figuier. Ils ont commencé à vagabonder. Personne ne pouvait les aider. Mais pendant ce temps-là, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu est descendu pour pouvoir les aider, pour leur donner de l'espoir. Il a tué un agneau. Il a pris la peau de l'animal. Il les a couverts pour leur montrer que je vous aime. Vous aviez péché, mais je suis là pour vous accorder le pardon. Et à travers l'agneau, il montrait par là le véritable agneau qui viendra plus tard. Et c'était Jésus-Christ. Il l'a fait. La parole réclamée.
un sauveur. Dieu, pour obéir à la parole, il est devenu le sauveur. Donc il ne l'a pas fait par plaisir. Mais il l'a fait parce qu'il obéissait à sa propre parole. Vous me suivez? Il s'est humilié lui-même en obéissant à sa propre parole. C'est la raison pour laquelle les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas s'habiller comme les devraient les femmes. La parole de Dieu dit: femme, laisse pousser tes cheveux. Quand une femme s'humilie devant la parole pour qu'elle puisse vaincre, elle va dire: la parole de Dieu l'est dit, et moi je vais m'humilier, je vais m'habiller correctement, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui impose, mais parce que elle est une croyante. Elle veut obéir, elle veut s'humilier devant la parole. C'est comme ça les hommes. C'est exactement la même chose avec les hommes. Ils ne veulent pas s'humilier. Les hommes aussi ne veulent pas s'humilier. Vous ne voyez personne qui, pour faire quelque chose, la parole de Dieu dit, comme la parole l'est dit, moi je dis amen. Comme la parole l'est dit, moi je dis amen. Je m'humilie. Dans la maison, Nandako, partout, Ipa Ibiso, comme la parole de Dieu l'a dit. Le Lobi Yango, pourquoi? Pour la nini, parce que Dieu m'a donné un nouveau cœur. Et allez poète nzamba pesi langa motema na sika. Parce que Dieu et allez poète nzamba m'a fait entrer dans la nouvelle alliance. Akosi singa ekati la gondimana na sika. Dans cette nouvelle alliance, kati la gondimana wana ya sika. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Nzamba pesi langa motema ya sika. Ce n'est plus un cœur de pierre. Et allez motema ya qui résiste. C'est toujours à la parole. La parole de Dieu le dit non. Comme Israël. La parole de Dieu le dit non. La parole de Dieu dit non. Ah, mais maintenant, si la femme fait quelque chose, est-ce que je dois la répudier? Moi, c'est Dieu avait dit non, garde ta femme. Mais comme ils étaient incrédules, Dieu leur dit: bon, ok, si vous voyez que ça ne va pas, ils viennent vers Jésus. Mais est-ce que nous pouvons chasser la femme pour n'importe quelle raison? Jésus dit non. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais comment? Mais pourquoi Moïse a dit que nous devons la chasser? Mais Moïse vous a dit parce... Vous êtes des incrédules. Parce que votre cœur est comme le cœur de pierre. C'est pourquoi il vous laissait aller dans n'importe quoi, parce que vous ne pouviez pas accepter. Parce que votre cœur n'était pas circoncis. Qui va rester avec la femme après quelques années? Cette femme ne te plaît plus. Ton cœur tombe dans la convoitise. Tu commences à convoiter les femmes. Et puis maintenant, tu commences à chercher des raisons. C'est là où se trouvent vos passions. Dans la convoitise. Alors, avec ça, comme vous n'obéissez pas. Moïse devait entrer à contester avec vous tous les temps. Non.
C'est pourquoi il vous a dit, bon, allez-y, allez-y. Mais si Dieu est dans votre cœur, vous n'allez pas le faire. Ce que Dieu a uni, Dieu, l'homme ne peut pas. Lisons un peu dans Ézéchiel chapitre 20. Comment il les a laissés parce que c'était difficile pour qu'ils obéissent. Ézéchiel 20, verset 23. Jusqu'au verset 25. Ézéchiel. Dans les déserts. Allons ensemble. Dans les déserts, j'ai levé encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les suyais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. J'ai voulu ainsi le punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Alors, parce que dans le désert, ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances. Ils rejetèrent mes préceptes. Ils profanèrent mes sabbats. Ils tournèrent leurs yeux vers les idoles. Alors, à cause de ça, j'ai leur donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Les ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Parce que je les laissais aller. Comme dans, lisons un peu Romains chapitre 1, verset 24. Comme je ne pouvais pas les aider, ils veulent suivre le penchant de leur cœur. Ils ne sont pas prêts à m'obéir. Ils ne sont pas prêts à s'humilier. Alors je les laisse aller là où vous voulez. Romains 1, 24. Allons-y. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25, 26. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Allons encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dieu les a laissés. Dieu les a abandonnés. Parce que Zambi, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas obéir. Alors Dieu les a laissés à leur convoitise. Dieu les a abandonnés à leur passion. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 9. 9 jusqu'à 12. L'apparition. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Comme ils n'ont pas cet amour, l'amour dans les cœurs, pour être sauvés, qu'est-ce que Dieu fait? Verset 11.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soit condamné. Dieu va les laisser. Et tu vas, il va laisser quelqu'un venir te raconter une histoire. Comme en temps d'Akab. Dieu va envoyer un esprit pour oindre les 400 prophètes. Et les 400 prophètes ont commencé à faire des prophéties. Ah, si tu vas, ça va marcher. Si tu vas, une grande maison des dons. Et ils ont commencé à prophétiser. Ainsi dit le Seigneur. Et Akab a cru. Et quand Akab a cru, il est allé mourir. Et pourquoi Dieu a laissé ça? Parce qu'Akab ne voulait pas croire ce que Élie était en train de lui dire. Comme il ne croyait pas à la parole, Dieu a fait une conférence et il a dit, bon, maintenant Akab ne veut pas croire. Regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde comment il est allé se marier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et un esprit est venu. Moi je vais descendre. Je vais séduire les 400 prophètes. Et je vais les pousser à dire un mensonge. Et Akab a cru au mensonge. Pour qu'il puisse mourir. Et les enfants d'Israël, regardez comment ils sont morts avec Balaam. Regardez comment ils sont morts avec Coré et Datan. Balaam va faire une histoire. Balaam, il va enseigner. Il va parler. Ce n'est pas un problème. Même si vous allez nous marier avec les Moabites, ce sont nos frères de Lot. C'est la même chose. C'est la même avec Abraham. Il a enseigné. Comme frère Branham l'a dit. Non, nous sommes un. Ils ont cru. Et ils sont allés mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Et quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, il s'humilie devant la parole. Ah, c'est le Saint-Esprit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand le Saint-Esprit est en vous, l'amour de Dieu est en vous, tu vas apprendre à t'humilier pour servir Dieu. Quand tu entends que c'est la parole, tu vérifies, tu examines, tu vois que c'est la parole, tu t'humilies. C'est Dieu. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Frère Bana me dit, la grandeur s'humilie. La grâce s'abaisse. J'ai eu à rencontrer des grandes personnes. Mais je suis resté avec des grands hommes. Je veux dire que des grands hommes, vous les voyez en manche de chemise. Et ils vous font penser que c'est vous la personne la plus importante. La grandeur, c'est l'humilité. Ne l'oubliez pas, Église. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Je veux parler d'être humble d'esprit. D'une véritable humilité.
humilité. Il s'est abaissé. Et il nous demande à nous aussi d'apprendre à nous humilier. D'être hospitalier. Comme Jésus est venu avec la parole. Le lavage des pieds, c'était la parole. Mais Pierre voulait résister. Mais Jésus lui a dit, mais ce que je fais, c'est la parole. Écoutez ce que moi, je suis en train de faire. Regardez ce que je suis en train de faire. C'est la parole. Et comme il a obéi, Jésus dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Apprenez à vous humilier, à nous humilier les uns vis-à-vis des autres. À cause du royaume de Dieu. Servez-vous les uns les autres. Il est venu pour nous servir. Il est venu pour me rendre un service. C'est laver les pieds. C'est voir les besoins de l'autre. Pour le servir. Dieu a vu que c'était un besoin, il est descendu pour nous servir. Et quand nous sommes des croyants, nous devrions apprendre à nous servir, être des serviteurs les uns les autres. Parce que l'orgueil va nous mettre de côté. Quand Ozias a mis de l'orgueil, on lui a dit, regarde, la parole de Dieu dit, ne faites pas ça. On voulait lui laver les pieds. Ne faites pas ça. La parole de Dieu dit. Non, non. Moi, je ne veux pas qu'on me lave les pieds. Moi, je ne veux pas qu'on me corrige. Moi, je ne veux pas que tu me dises ça. C'est comme ça. Pierre. Pételo. Accepte que je te lave les pieds. Non. Pierre, mais tu ne comprends pas. Pételo, vous allez vous sortir. Tu ne comprends pas ce que je fais. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Vous allez faire les symboles. Mais Jésus a dit, vous serez heureux quand vous comprenez ce que la signification de ce que vous faites. Les pieds, c'est la marche. Maintenant, nous marchons. Dans notre marche, dans ce voyage, comme Elohim avait besoin qu'on lui lave les pieds. Parce qu'il était dans un voyage. Nous aussi, nous sommes dans un voyage. Vers la gloire. Nous avons déjà reçu le baptême. On a déjà pardonné nos péchés passés. Avant de croire, le péché, parce que nous avions confessé, on nous a pardonné. Depuis notre baptême, pendant que nous marchons, les pieds deviennent sales. Nous péchons.
Nous touchons des saletés. Nous entendons des choses qui ne sont pas bonnes. Parfois, ça souille notre esprit. Parfois, je peux parler de quelque chose qui n'est pas vrai. Je veux injurier quelqu'un. Je veux me fâcher. Comme Jésus n'est plus là, dans la chair, mais il est dans mes frères. Le même Jésus, il est toujours là. Jésus dit, parce que Jésus pouvait laisser ça si ce n'était pas important. Mais lavez-vous les pieds. Pardonnez-vous les uns les autres. Lavez-vous les pieds. Allez laver les pieds de votre frère. Allez laver les pieds de votre soeur. Au lieu de vous critiquer, au lieu de regarder simplement le mal, allez laver les pieds. Allez vers votre frère. Mon frère, ma soeur. Il y a ça. J'ai vu ça. Je vous ai fait ça. La parole de Dieu. J'ai vu la parole. Mais j'ai vu, frère, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. La parole. L'iloba. La parole. L'iloba. La parole. L'iloba nanzambe. Ton frère. Ta soeur. Viens te laver les pieds. Parce que nous sommes dans le voyage. Il a vu que les pieds sont sales. Il a vu quelque chose. Il vient te laver les pieds. Parfois, la première chose, la première réaction, c'est la réaction des pieds. Non. Comme Jean-Baptiste. Le col à Yohane Baptiste. Jésus vient pour le baptême. Yes, aye, pour le baptiste. Ce n'est pas toi, moi je ne peux pas te laver. Jésus dit non. Yes, faisons tout ce qui est juste. Ce que je suis venu faire, c'est la parole. Le souverain sacrificateur. Avant d'entrer en fonction, on les lavait tout entier. Et après, il y avait l'onction. Ne résiste pas. C'est la parole. Vous me suivez? Combien de fois nos frères viennent nous laver les pieds? Mais la première chose, l'olendo. Non. Te. Tu ne peux pas me laver les pieds. Toi, tu ne peux pas me dire ça. D'abord, toi, tu es qui? Yo nano zali nani. Toi, tu es comment? Yo zali boni. Toi, tu es. Yo. Si tu n'écoutes pas ton frère, jusqu'à ce que tu répares cette histoire-là, tu n'auras pas de communion avec Dieu. Tu n'auras pas de communion avec Dieu. Parce qu'il y a un péché. Il y a un péché inconfessé. Et ce péché-là va t'empêcher de que Dieu t'écoute. C'est comme ça qu'aujourd'hui, frère Banam dit, les gens viennent à l'église. Dieu n'écoute pas. Beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de garder dans leur cœur toutes sortes de mauvais sentiments. Les uns envers les autres. Ou bien tu vois ton frère commettre une faute. Il vit mal. Toi, tu vois. Okangi maboko, ovandi kimia.
Tu ne peux pas faire ça. Tu es responsable. Parce que tu l'as vu faire du mal. Et tu l'as laissé. Dieu, il a vu que nous avions commis des péchés. Il n'est pas resté au ciel. Il est descendu. Pour nous sauver. Ce que moi je fais, vous aussi vous devriez le faire. Si ton frère ne t'écoute pas, c'est son problème. Et toi, tu vas prendre une autre personne. Tu ne peux pas laisser. Si tu as la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Zambi ozali na mokumba ya kosenzela bamoko likolo na basusu. Si tu as le saint. So ki ozela molimo mosantu. Si vous avez le saint. So ki bino bozela molimo mosantu. Vous n'allez pas laisser. Bogotika te. Et toi qui refuses. Peyo boyi. Non, je ne veux pas. Te na lingite. Non, moi je ne veux pas. Te na lingite. Non. Ou bien tu es en train de mentir. So ozali kokosa. Depuis ce moment-là, tu n'auras pas de communion avec Dieu. Tu verras que tu es en train de rétrograder. Parce que tu n'es pas humble. On voulait laver les pieds d'Ozias, l'orgueil. On voulait, Dieu voulait laver les pieds de Caïn, l'orgueil. Ton frère t'a montré la parole. Comme Frère Banam l'a dit ici, les péchés impardonnables. Il dit, si on va me montrer quelque chose de mal, si je confesse mes fautes, bon, laissez-moi d'abord parler, sinon on va terminer bientôt, on doit faire le lavage des pieds. L'humilité, lisons encore un passage rapidement dans Romains. Combien aujourd'hui nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Romains chapitre 12 verset 9. Loma, allons-y, verset 9. L'humilité. Où est cette humilité? Où est l'obéissance humble à la parole? Où sont les chrétiens humbles? Capables de dire à son frère, mon frère, si tu me vois commettre une erreur, mon frère ne t'empêche pas de venir m'aider. Je vais t'écouter, mon frère. Une église comme ça. Des chrétiens comme ça. Qui sont hospitaliers. Quelqu'un qui vient dans ta maison. Pour te laver les pieds. Ou pour t'aider. Ou pour te rendre un service. Vous vous lavez les pieds. Vous vous demandez pardon. L'hospitalité, vous accueillir quelqu'un. Accueillir votre frère. Ce n'est pas lui donner à manger. Tu peux lui donner à manger. Mais aujourd'hui, le vrai lavage, c'est recevoir la correction. Recevoir. C'est que ton frère veut te dire. Allons-y, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Dans l'autre Bible, c'est écrit que l'amour soit sans dissimulation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles là-bas. Que la charité soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Il y a d'autres Bibles où il y a la Darby, sans dissimulation.
Sœur, je t'aime. Sœur, vraiment, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Mais, hypocrisie. Un amour où tu caches la malhonnêteté. Tu caches la fraude. Et c'est ça l'amour d'aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime, ma soeur. Tu m'aimes comment? Tu caches. Obombi. Tu dissimules. O zipi zipi. L'égoïsme. Moïmi. Tu veux satisfaire ton corps. Olingi ko sepelisa nzoto na yo. Tu veux satisfaire tes appétits sexuels. Olingi ko sepelisa ba posa na yo nzoto. Je t'aime. Nalingi yo. Que l'amour soit sans hypocrisie. Bolingo ezanga lokuta na kati. Et tu ne peux pas dire à une femme je t'aime sans que ça soit dans l'intérêt du mariage. Ayez le mal en horreur. Mabe, boyoka somo pona mabe. C'est que quand c'est mal. Tant que les camarades allaient à mabe. Faut vraiment fuir. Boki mayango. Fuir loin. Boki mango mosika. L'impudicité, la convoitise, les critiques, matongi, les injures, mafinga, la haine, boini, c'est mal. Mabe, fouillez. Boki mayango. Attachez-vous fortement au bien. Bomikanga, makasi penza na likambo ya malamu. Surtout dans notre temps. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Boton disama na bolingo ba moko pona basusu. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Na lokumu boko wa komike bisa ba moko na basusu. Par respect. Na limemia. Quand on se respecte, tu ne peux pas aller raconter des histoires. Tu sais que ça peut porter atteinte à la réputation de mon frère. De juste raconter des histoires. Et toi, tu sais que si on le fait pour toi, tu ne vas pas être content. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus nous-mêmes les agents des médias. Des médiums qui aiment beaucoup parler. Vous écoutez quelque chose que tu n'as pas encore vérifié. Allez. Quand ça va devenir pour corriger, ça devient un problème. Par respect, par honneur, ne soyez pas prêts à raconter des histoires. Aujourd'hui pour le mariage, vous allez apprendre qu'un frère veut, peut-être il passe dans la maison d'une famille. Il passe peut-être deux fois. Les médiums. Les médias. Les frères rêvent déjà passer par là. Et l'autre aussi, quand il apprend que l'autre est passé par là, il vient. Aïe. Regarde comment l'hypocrisie. Tala, l'olenge nini ya moto na bilonge mi balé, moto na lokuta. Répandre de fausses nouvelles. Les gens qui ne se respectent pas. Facilement, vous pouvez détruire la réputation. Et tu ne te réponds pas. Mais ce sont des péchés, amis. Hein? Ce sont des péchés que vous accumulez. La Bible dit, à la fin, nous répondrons. Chacun répondra pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de votre bouche.
Frère Banam dit, ces paroles vous attendent. Il dit que c'est comme l'eau. Quand une pierre tombe là-bas, des vagues vont. Il n'y a que quelque part où ça peut s'arrêter. Les vagues. Frère Banam dit que ce sont vos paroles. Ça s'arrête. Ce n'est que la repentance. Là, ça s'arrête. Sinon, ces paroles, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin du voyage. À la fin du voyage, tu vas entendre toutes ces fausses paroles, ces mensonges que tu as racontés. Toutes ces mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, c'est connu. Les réseaux sociaux et tout cela, on parle des fake news. On répand trop de fausses nouvelles. Pour diffamer. Pour détruire. Les fake news, des mauvaises nouvelles. On raconte toutes sortes de trucs ou des nouvelles qui sont déformées ou bien qui sont un peu... On raconte toute une histoire comme ça qui n'existe pas. Et les gens commencent à raconter. Par respect. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Ça veut dire que respectez-vous. Jésus est descendu pour laver mes pieds, pour enlever les saletés. Vous aussi, lavez-vous les pieds, enlevez les saletés de vos frères, enlevez des problèmes que vous avez les uns envers les autres. Enlevez ça. Comment vous allez enlever? Avec l'amour, avec la parole, l'eau de la parole. Vous obéissez à la parole et vous allez, mon frère, ma soeur, pardonner. Tu as raconté des mensonges et puis après tu vas ouvrir. Oh Dieu, oh Dieu, avec la même bouche tu viens de mentir, avec la même bouche tu viens de raconter des mauvaises choses envers ton frère. Et à même la même bouche, oh Dieu. Mais Dieu sent ces sales. Ça sent mauvais. Et Dieu n'écoute pas. Allez laver les pieds de votre frère. Pour lesquels tu as raconté des histoires. L'amour. Bolingo. Avec dissimulation. Nakobomba. L'amour hypocrite. Bolingo ya lokuta. Tu salues ton frère. Mais entre-temps, tu vas là-bas, tu racontes des histoires. Ou ton frère vient te dire bonjour. Bonjour. Comme frère Banam l'a dit, c'est sa femme. Est-ce que tu as salué cette soeur? Oui, j'ai ri. Naseki. Non. Tu as ri, est-ce que tu as salué? Va lui dire que le Seigneur te bénisse, ma soeur, salue et tout ça. Tu vas la saluer. Vous lavez les pieds les uns. Vous lavez les pieds les uns. 11. Respectez-vous par honneur. Si Jésus, le Dieu lui-même, m'a respecté, moi, il va descendre pour me laver les pieds. Toi, vraiment, tu ne peux pas aussi t'humilier pour me laver les pieds. Pour qu'on se lave les pieds. Pour qu'on se demande pardon. Pour qu'on s'humilie. Tu ne peux pas. Allons-y, 11. Ayez du zèle et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Boyamba bapaya. L'hospitalité. Koyamba bapaya. Boyamana. Est-ce que tu peux venir chez moi? Ogogoya panangai. Est-ce que tu peux venir? Ogogoya. Tu peux venir. Ogogoya. Mais aujourd'hui. Kasilelo. L'hospitalité. Boyambi bapaya. Laver les pieds, c'est quoi? Kosukola makolo ezali nini? Exercer l'hospitalité. Koyamba bapaya. Quand quelqu'un vient, tango moto aye. Le fait que entrez. Kota. Assoyez-vous. Vanda. Je vais vous laver les pieds. Nakosukola yo makolo. C'est l'hospitalité. Ezali lolenge malamu ya koyamba mopaya. Il va se sentir à l'aise. Akumiyo kapenza na bosomi nyonso. Comment ça va, mon frère? Comment ça va, ma frère, je viendrai vous voir. Mais aujourd'hui, l'hospitalité. Pour se laver les pieds. Ça n'existe plus. Quand vous vous recevez les uns les autres, vous commencez à partager la parole. Vous commencez à vous exhorter. Nous sommes en marche. Pendant que vous vous exhortez là, vous vous lavez les pieds. Tu vas peut-être donner un conseil à ton frère. Peut-être il va te raconter un problème. Toi tu entends. Oyoki. Vous allez vous laver les pieds. Mais aujourd'hui, regardez le diable. Tala Satana. Il a divisé. Akaboli. Les chrétiens ne sont plus hospitaliers. Ba Christo, bazali susu koyamba na te. Je ne sais pas si c'est l'hospitalité. Na yebite soki yango wana te. Ils exercent leur hospitalité avec quelqu'un qui se trouve loin là-bas, qu'ils ne connaissent même pas. Bazali ko solola na moto mosusu azali mosika kuna o bangone bayebani atate yangwana nde boyambi mupaya a la maison nanda ko yowana na telephone yowana. Le temps de se laver les pieds tango ya ko sukula na makolo les uns les autres ba moko na basusu partager ko solola na tina na liloba l'amour fraternel bolingo kati na bandeko veiller les uns sur les autres ozelana bamoko likolona basusu ça n'existe ezali na lisusu te mais c'est plus les critiques zokande o etika les ali bobele matongi c'est pas correct vous allez le faire bokosala yango le lavage des pieds osukole makaka mais kasi vous êtes heureux. Si vous comprenez ce que vous ça va être un jugement pour vous. Si vous le faites aujourd'hui, et demain, vous revenez pour vous salir. C'est comme si, comme Paul disait aux Corinthiens, Vous réunir, vous devenez pire. Au lieu de se laver les pieds, au lieu que notre communion nous amène à nous laver, à nous purifier. Mais quand on est ensemble, on se suit. C'est très dangereux. Nous sommes en voyage. Et les voyages deviennent de plus en plus difficiles. Ou moi seul, je ne saurais pas. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes soeurs. Pour qu'ensemble, nous puissions vaincre.
Et pour vaincre Kolonga, dans une union, sangana, il faut qu'il y ait entente. Il faut qu'il y ait la paix. Et la paix signifie sans conflit. Ah, il n'y a pas dans mon cœur un conflit avec quelqu'un. Non, pas vous vous faites du mal. Moi, je n'ai pas un problème. Non, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas un problème. Toi, tu n'as pas un problème. Mais l'autre, là, pour lui, c'est un problème. Allez. Kende. Ce que tu n'as pas un problème, mais allez alors laver ses pieds. Parce qu'il a un problème avec toi. Zambi non, Ngana Zanga Likambote. Ngana Zanga Likambote. Mais lui, il a un problème. Allez. Kende. Laver les pieds. Parce que nous sommes en voyage. Qu'il continue aussi son voyage. Qu'on se lave les pieds. Chaque fois nous sommes en voyage, nous aurons toujours des problèmes de temps en temps. Là où il y a les hommes, il y aura des problèmes. Il ne manquera pas qu'il y ait des accrochages. Mais quand il y en a, il y a l'eau. Il y a la parole. Allons-nous laver, frère. Allons-nous laver. Allons-nous laver. Le problème, ce n'est pas qu'il ne doit pas y avoir des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Et il y aura des problèmes. Mais la grâce que Dieu vous donne, vous avez la puissance, vous avez la sagesse pour résoudre les problèmes. Et c'est ça qui montre la maturité. On ne dira jamais, ah, bah, là-bas, ils n'ont pas un problème. Comme quelqu'un dira, non, pasteur dit, aucun amour, sinon, ils n'ont pas un problème. On a des problèmes. Tous allés dans ma cambo. Il y a des problèmes. Ma cambo, ma zali. L'argent. Je dis, il y a un bongo trop. Toi, tu aimes beaucoup l'argent. Non. Il y a des problèmes. Les cambolis ali. Mais après, on se lave les pieds. Non, il y a un problème. Ça n'existe pas. Il y aura des problèmes. Entre nous et notre mari, il y aura des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il y a l'eau pour la vie. Une église non connaît ça quand on a un problème. On peut dire, là, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Et s'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais la maturité. C'est là où il y a des problèmes. Et les gens arrivent à arranger. Ils grandissent. Vous me suivez? Ils grandissent. Ils arrivent à résoudre. Et c'est ça la maturité. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lavez-vous les pieds. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des incompréhensions. Vous aurez des mésententes. Vous aurez parfois même des disputes. Mais l'eau est là. Pour vous pardonner. Lisons enfin dans Colossiens chapitre 3. Verset 12. Allons-y. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Inclinons la tête. Togumba Mito. Bien-aimé Père Céleste. Molingame Tatana Likolo. Nous nous inclinons devant toi. Tozale komegumba liboso na yo. Pour te dire Seigneur. Pona kolova na yo kolo. Sois béni, sois glorifié. Pambama pesamela lokumu. Pour l'amour que tu as témoigné envers nous. Pona bolingo oyo talisi pa na biso. Cet amour bolingo yango t'a amené à t'abaisser. Et même yo et omi kiti sa à naître comme un homme. Et te obotama lokola moto à vivre ici pendant 33 ans. Et te okobika awa kati na mibutu kumisato na misato. Nous t'avons humilié. Biso to kiti sa kiyo. Nous avons craché sur toi. Nous t'avons crucifié. Et tu as supporté tout cela. Parce que tu voulais obéir à ta propre parole. Parce que tu voulais nous sauver. Parce que tu voulais nous racheter. Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est pour cela, Seigneur, tu as pardonné nos fautes. Tu as envoyé le Saint-Esprit afin que nous aussi, après, nous puissions marcher, nous puissions nous entraider. Et pour montrer, comme symbole, tu as lavé les pieds des disciples. Tu t'es abaissé pour laver les pieds sales de l'homme. Et tu nous as dit, si moi, Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds, les uns, les autres. Père, Tata, nous savons que nous faillissons. Mais ce soir, aide chacun de nos saints. Dans cette nouvelle alliance, enlève les cœurs de pierre. Enlève le vieil esprit. Donne-nous un cœur nouveau. Un cœur de chair. Et surtout, envoie le Saint-Esprit pour amener l'amour de Dieu. Pour nous apprendre à obéir à ta parole. Et nous aimer les uns. Nous vivons l'âge le plus mauvais. Aide-nous, Seigneur. Là où il y a les hommes, nous aurons des problèmes. Et nous savons que nous te blessons aussi de temps en temps. Même pour Israël, ils t'ont blessé de plusieurs manières. Mais chaque fois,
tu menaçais de les abandonner. Tu t'es rappelé l'alliance inconditionnelle que tu avais contracté avec Abraham. Et cette alliance-là, tu pouvais châtier ton peuple, mais tu ne pouvais jamais les abandonner. Oh Dieu bien-aimé, si avec l'alliance, les sang des animaux, tu n'as pas abandonné ton peuple. Avec ton propre sang, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, remplis-nous de l'amour divin pour que nous puissions aussi nous aimer, nous puissions nous laver les pieds. Par nous-mêmes, nous ne serons pas. Laisse que Seigneur, tu envoies le Saint-Esprit, tu envoies Dieu dans nos cœurs. Et demain, nous voulons prier pour ça, afin que tu nous remplisses de ton esprit. Bénis les services de ce soir. Bénis chacun de nous. Pardonne nos fautes. Pardonne les paroles sorties de nos bouches. Pardonne ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Seigneur notre Dieu, là où il y a les hommes, nous avons des problèmes, mais donne-nous un cœur, accorde-nous l'humilité pour que nous sachions nous pardonner, nous laver les pieds afin que nous soyons entièrement purs. Alors que nous sommes encore en marche, nous ne savons pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais Seigneur, donnez-nous des frères, donnez-nous des sœurs, donnez-nous une famille où l'amour de Dieu règne dans les cœurs, où l'humilité, le respect les uns envers les autres, les vieux qui se respectent, les vieux qui respectent les jeunes, les jeunes qui honorent, qui respectent les personnes âgées, les jeunes qui se respectent eux-mêmes, les jeunes qui respectent les filles, les filles qui respectent les garçons. Seigneur Dieu, aide-nous parce que tu as un travail que tu veux accomplir. Tu veux achever un travail. Nous ne voulons pas, oh Dieu, que notre conduite t'empêche d'achever, d'accomplir l'œuvre que tu vas faire. Sois avec nous ce soir. Bénis les services. Bénis les huissiers qui ont fait ce travail. Et les sœurs, les jeunes qui ont travaillé, bénis les saints. Père, Tata, nous remettons les jours à venir entre tes mains. Aide-nous. Humilie nos cœurs vis-à-vis de ta parole. Et conduis-nous, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Matondi. Je vais demander. Narosenga. Mon frère qui habite loin. Nawandeko, bayavanda kamisika. Ils aillent d'abord se laver. Bakene naino kusukula makolo. Et vous revenez. Tebozonga.
nous allons voir d'ici 30 minutes. Nous allons prier pour terminer. Et si ça continue, nous allons rester. Pour les autres qui sont dans les enfants. Les frères, les sœurs qui habitent loin, les sœurs, vous pouvez aller déjà. Côtés. N'oubliez pas demain un grand service de prière. Vous avez des requêtes. Vous mettez ça sous le bâton. Vous allez vous laver, vous réveillez. Ne vous précipitez pas. Il y a assez de place, il y a assez de... Bisika, bisali mingi. Laisse-moi marcher, Seigneur, toi. Pendant que vous vous lavez, tu pries pour ton frère, ta soeur. Pendant que vous vous lavez les pieds. Vous avez un véhicule, vous n'avez pas besoin de vous précipiter.
des chants qui devaient chanter. Où est-ce que la liste? Les huissiers pour conduire les gens, il n'y a personne ici. Les huissiers, ils sont où pour conduire les gens? Les paniers.
vous laissez passer les paniers, ils vont mettre ça. Ici à l'intérieur de l'église. Les frères Étienne, Bié, Ephésienne Bavou, Marie Mujinga, Orem Mazela. Et puis on va voir s'il y a encore du temps pour les autres. Vous laissez passer les paniers, ils vont mettre les papiers à l'intérieur, je crois que c'est plus facile. Gardez bien pour que du côté des frères, on ne sait pas des mélanges. Pour... Laissez simplement passer les paniers. S'il y en a, il n'y en a pas. Un seul panier, ça suffit. Seigneur vous bénisse. Ou bien, il faut attendre quand les autres vont venir. Bon, allons-y. Merci, nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter, prends ma main, puis nous allons... Il fallait se laver les mains et les pieds. David disait dans Psaume 26, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles.
Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Yahweh, nalingaka kovanda kati na ndako na yo esika kani kembo na yo ezali kovanda. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Ko netola molimo na ngai longa na bato mabe masumu bitie. Ma vie avec les hommes décents. Bomoi na ngai na bato ya makilate dont les mains sont criminelles. Ba oyo boye maboko na bango ezali kosala makambo ya mabe. Et la droite pleine de présents. Pe loboko na bango na mobali etondi na Kanyaka. Je lave mes mains. Nazale ko sukola maboko na ngai dans l'innocence. Kati na kozanga koyeba mabe. Les autres ont les mains pleines de sang. Basusu bazena na maboko matondi na makila. C'est pour cela. Ezali pona yango. Les sacrificateurs devaient laver les mains. Banganga nzambe basenga ko sukola maboko. Les pieds. Makolo. Les mains innocentes. Maboko mae mazangi kosala mabe. Paul dit quand nous prions. Paul azali koloba tango tozali kobondela. Devons lever nos mains. Tosengeli kotombola maboko mabiso. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Naye nalingi ete mibali bako akosambla na bisika nyonso na kotombola ka maboko mae mazali peto. Dans le lavage des pieds. Nabosukoli makaka. Il y a les mains. Maboko mazali. Il y a les pieds. Na makolo pe lokola. Que Dieu nous aide pour que nos mains soient pures. Tika ete nzambe asunga biso po ete maboko mabiso mazala peto. Quand vous saluez votre frère, que ce soit avec la vérité. Tango zali ko pesa ndeko na mbote eko kozala na solo. Que votre cœur soit pur. Motema moyo muzala peto. Quand ma voix vient, soit auprès, Seigneur, en ma vie, c'est là. See you.
vers la lumière, la grande lumière. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Alors que je suis encore un pèlerin, purifie mon corps, sanctifie mon âme, remplis-moi de ton esprit, guide mes pas, guide mes pas. Si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu connais son nom, prions pour la personne, un membre de famille qui est dans le besoin, prie pour lui. Prions pendant 2-3 minutes.
Merci. Merci Jésus. Nous voulons nous humilier ce soir. Tolingi, comme qui dit ça, n'a pas quoi na lelo. Pour te dire merci pour na kopesa yo matondi. Pour ce service divin. Pour na mosala oyo boye ya Nzambe. Il a commencé avec nous. Yo bandaki elongo na biso. Termine aussi avec nous, Seigneur. Ozale kosi le sape longo na biso kolo. Que toutes les bénédictions tika ete mapamboli nyonso qui accompagne mai mazale ko tambola elongo les pains lipa le vin na vino et les lavages des pieds na bosukoli makolo. Que toutes les bénédictions ete mapamboli yango nyonso nous accompagne et tambola elongo na biso. Et chacun reçoive cette bénédiction. Que chacun soit rempli de ton esprit. Soit rempli de ton amour. C'est toi qui crée en nous. Le vouloir et le faire. Accompli. Ton dessein. Ta volonté. Ton programme. Dans chacun de nous, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous ne savons pas ce que contient l'avenir, mais toi, tu connais l'avenir. Dans notre marche, tiens la main de chacun de nous et conduis chacun de nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, remplis nous de l'amour, que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous respecter les uns les autres, nous honorer les uns les autres, et que ta paix soit dans nos cœurs, dans nos maisons, partout où nous sommes, dans cette église, parmi tous les saints, que ta paix soit avec nous. Guéris le malade, purifie nos cœurs, guéris nos maladies, que toutes les maladies, que toi tu les guérisses, ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont malades, nos membres des familles, que toi tu les raccordes la guérison, la bonne santé, les saluts. Père, Tata, toi qui peux nous donner plus que ce que nous avons besoin, que tu l'accordes à chacun et que tu accompagnes chacun. Père bien-aimé, nous avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous y donnons tous. Amen. Saluez un peu votre frère à côté. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. À demain. Mettez dans un papier si vous avez des requêtes. Tiens, na casa, sokoze na lilombo. Pour clôturer cette série de grandes réunions. Les jeunes filles que j'avais appelées pour les chevelures, j'aimerais les voir demain avant les cultes. Les jeunes filles. Merci à vous tous. Le Seigneur vous accompagne. Sur les Congos. Thank you.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. Dieu vous garde sur la route. Thank you.